grand merci à vous tous et à travers vous aux besonnels que vous représentez. Je tiens à saluer notre doyen de l'Assemblée, Pierre Barbat, qui a présidé l'ouverture des travaux. Cette nouvelle et large victoire de dimanche dernier est en premier lieu la validation d'un bilan. Ce bilan est celui des élus de la majorité sortante. Qu'il me soit permis aujourd'hui, une nouvelle fois, d'exprimer à cette équipe mon affectueuse reconnaissance. En ce jour si particulier, en mon nom et au nom des femmes et des hommes, citoyens et militants qui, nombreux, ont porté notre projet, c'est aux Besonnaises et aux Besonnais que je veux exprimer une nouvelle fois ma gratitude. L'équipe que j'animerai a une feuille de route. Demeurer de farouches défenseurs de Beson et des Besonnais, de tenir nos engagements, mais aussi inventer et innover. Pour y parvenir, la force de notre service public, la compétence et l'énergie des personnels de l'administration communale et communautaire demeureront des atouts essentiels. Mais écoutez, la nouvelle équipe municipale se met en place. C'est une équipe de large rassemblement. Et donc, en son sein, il y a des nouveaux élus et puis une partie d'élus qui ont déjà de l'expérience. Donc, il pourra y avoir un bon accompagnement de ces nouveaux élus. Et donc, des forces de gauche très largement rassemblées, puisqu'il y a aussi l'Union démocrate, ce qui permet d'avoir une bonne représentation de la population besonnaise. On a des enjeux majeurs sur ce mandat. Bien évidemment, il faut qu'on continue et terminer le projet de la ZAC Bordeaux-Seine. Mais il y a la ZAC Cœur de Ville qui va prendre toute son ampleur et également le projet d'un ANRU 2 sur le Val, qui est un quartier un petit peu éloigné du centre de Beson et sur lequel on est attaché et qui n'y ait pas de fracture entre tous les quartiers de Beson. Alors pour ce nouveau mandat, nous avons souhaité au sein du Conseil rajeunir un petit peu l'équipe et surtout amener plein de nouvelles idées, de nouvelles positions, rassembler la population besonnaise avec des représentants de toutes les composantes qui existent. On mesure l'équipe, les responsabilités qui sont les nôtres maintenant, suite notamment aux nombreuses discussions qu'on a eues lors des porte-à-porte, lors de nouvelles rencontres qu'on a eues pendant la campagne. Et vraiment maintenant, on va se mettre collectivement au travail pour réussir à améliorer et à continuer le travail entrepris pour l'amélioration de Beson sur le long terme. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille pour que Dominique gagne pour la ville de Beson, parce qu'on sait très bien que notre maire, c'est le meilleur. Il a fait plein de choses pour Beson. Et là, ça continue. Cette nouvelle équipe, moi, je ne suis pas très jeune. Donc, si vous voulez, j'en connais beaucoup, mais il y en a d'autres que je connais moins. Et du fait qu'ils se sont ralliés ensemble pour faire une liste d'union, c'est merveilleux, parce qu'on peut avoir plusieurs avis vaut mieux qu'un seul. Et donc, c'est la réussite de tous les Besonnais, et voilà. Ils ont eu gain de cause, c'était très très positif, on est content, tout le monde est content pour ça, voilà. Ce que je pense de la nouvelle équipe, c'est très très bien, parce qu'il y a une équipe qui est majoritairement jeune, il y a les anciens qui petit à petit passent la main, et j'espère que ça ira dans la continuité, parce que personne n'est éternel, on le sait, et si ça continue comme ça, je pense que Beson restera telle qu'elle est longtemps, et pour très très longtemps. Je crois que c'est une équipe qui était proposée par le maire, c'est une équipe dynamique, parce que je connais les personnes qui y travaillent. Ils vont certainement, et je suis persuadé qu'ils vont apporter des solutions que la population de Beson attend. Et je leur souhaite beaucoup de réussite. Par contre, la nouvelle équipe, j'en suis assez fier parce qu'elle est plurielle. Et puis, il y a des gens de très bon niveau, de belles compétences. Et je pense que ça va être bon pour les Besonnais. Et j'espère pour longtemps. Voilà. À la vôtre.